Hélène, science et religion, ami potentiel ou ennemi éternel? J'enlèverai éternel parce que tu sais, ça c'est toujours c'est toujours excessif, nous ne savons même pas ce que c'est que l'éternité. Hein. C'est quand même un couple ennemi, mais non pas parce que. Alors moi je pense évidemment que la science n'est pas l'ennemi de la religion, c'est pas son propos, du tout. Voilà. Et alors là, historiquement, on peut se dire que la religion a toujours été l'ennemi de la science, enfin, du moins les religions telles que nous les connaissons, parce que je ne peux pas, par exemple, je sais pas que dire du bouddhisme. Hein. Je ne sais pas si le bouddhisme s'en est pris à la science, ça m'étonnerait que. Mais c'est que le bouddhisme est d'une certaine manière une philosophie, ce n'est pas simplement une religion. Sinon, il est évident que à partir du moment où on pose, où la religion pose qu'il existe un être, voilà, qui, tout en étant éternel, a produit l'histoire, c'est-à-dire un jour pris une date comme ça et posé une humanité créée dans l'histoire, ce qui est déjà une question compliquée. Mais enfin, évidemment, Dieu peut tout faire. Hein. Bon. Et que on va dans le, donc que ça s'accompagne à ce moment-là d'un déni de ce que les sciences, dans leur, je dirais, leur recherche non agressive, ont mis au jour depuis longtemps, c'est-à-dire que l'humanité a des millions, de millions, de millions d'années et qu'elle ne procède pas d'une création divine. À partir du moment où on met en question les prémices des religions, évidemment que la religion ne peut pas supporter le message de la science. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, ce sont les savants qui arrivent à préserver une forme de foi parce qu'ils en ont besoin, donc qui d'une certaine manière peuvent produire un énoncé comme je crois en alors Dieu ou je sais pas quoi, enfin quelque chose qui, voilà, qui porterait ce nom, qui sont donc à la fois dans une rationalité et dans une en position de connaissances modernes, scientifiques modernes, voilà, et qui se débrouille avec ça. Par exemple, Einstein, c'est-à-dire qui peut à la fois être à la pointe des découvertes contemporaines et qui, sans être religieux, bien sûr, préserve, et certains savants le font, bien sûr. Comme ça, une nostalgie ou un besoin ou une possibilité de quoi? Alors, d'un inexplicable. Non. Quelque chose qui traverse l'être humain et qu'on pourrait appeler Dieu. Hein. C'est pas la religion, ça, bien sûr. Alors, ami potentiel, je crois pas que la religion pourra jamais admettre la science à sa table. Alors, ça veut pas dire qu'on va rentrer dans des guerres de. Hein, mais ce sont des mondes qui restent disjoints. Pourtant, à une époque, c'était des hommes de religion qui étaient des grands scientifiques. Oui, bien sûr, mais alors là, c'était des hommes de religion parce que c'était dans l'espace des religions qu'on pouvait faire des études. Donc les moines n'étaient pas. Les moines, par exemple, qui étaient des moines savants, hein, des grands savants, c'était des savants. Bon. Qui avait l'abri d'un monastère qui était entretenu pour ça et qui avait accès à des bibliothèques en tant que moine. Mais On voit bien que quelque part l'institution religieuse a maintenu en place ces lieux de savoir. lesquels, par exemple? Type les monastères, les bibliothèques, l'accès aux livres. Ah non, ça je crois pas. Je crois que vraiment les monastères maintenant ont une vocation religieuse et l'accès aux livres, ben, maintenant avec Internet, les moines ont Internet aussi, hein, si je peux dire. Donc il y a certainement des endroits où Internet est exclu. Hein, mais autrement, on a accès aux sciences, mais on a toujours eu accès aux sciences. Et comme tu le sais, dans toutes les grands, comme ça, les grands moments épiques du développement de la science, la religion s'est empressée de condamner et de manière dangereuse. Les savants successifs, hein. On a brûlé Giordano Bruno, on a interdit Galilée, etc., etc. Et ça n'a pas arrêté.
Et à ce moment-là, les savants n'avaient pas de choix. Soit ils se soumettaient, ils faisaient semblant, etc., pour pouvoir continuer comme des maranes en cachette, soit ils se débrûlaient. Bon, même chose aujourd'hui. Écoute, alors maintenant, si tu prends les religions là où elles sont orthodoxes, parce qu'il y a des religions qui sont partiellement orthodoxes, partiellement libérales. Tu as par exemple des intégrismes juifs avec, au contraire, un judaïsme libéral et éclairé, savant et tout ce que tu voudras. Bon. La religion catholique, comme tu sais, elle ne bouge pas. Hein. Elle continue à maintenir des pratiques qui sont des pratiques archaïques. Hein. On sait ce qui s'est passé concernant, par exemple, le sida, etc. Bon, c'est effrayant de se dire ça. Et en même temps, bon, les religions choisissent, je dis les religions, hein, choisissent toujours une forme d'application de la foi sur un mode qui choisit l'homme, qui choisit pour l'homme l'éternité promise, mais pas le bien-être sur la terre. D'accord. Mais en même temps, surtout en Occident en tout cas, c'est malgré tout dans des lieux, comme tu dis, religieux, ou sous l'institution religieuse, qu'on a pu faire des études, qu'on a pu avoir accès aux livres. Donc quelque part, il y a une contradiction dans la sauvegarde. Pas du tout. Il y avait, c'est ancien, hein, là on est au Moyen-Âge. Hein, oui. Mais à ce moment-là, les lieux où on apprenait à lire, bon, c'était les lieux où il y avait des livres, et ces livres, c'était des Bibles ou des Évangiles. Bon. Donc, par définition, c'était ça. Ou bien quelques seigneurs à qui on apprenait à lire. Mais ça a duré, évidemment, jusqu'à la Renaissance et au-delà. Bon. Et donc, de fait, socialement, on en était là. Dans les cours, non. Dans les cours, il y avait des maîtres qui n'étaient pas nécessairement des maîtres religieux. Il y avait du passage aussi. Dans les grandes cours européennes, comme tu le sais, il y avait du passage d'étrangers savants. Il y avait, par exemple, quand l'Espagne était occupée par les Arabes, on sait justement qu'à la fois, il y avait des savants, qui étaient des Juifs et des Arabes, qui produisaient une science et une philosophie extraordinairement éclairées, au niveau royal. On ne s'est jamais occupé du peuple. Hein. Bon. Mais ce sont des questions de circonstances. Je veux dire que si tu ne peux apprendre à lire que dans tel endroit, c'est là que tu vas. Il y avait des universités, il y en a eu très vite, puisque ça a commencé au Moyen-Âge, mais il y en avait peu. Et en même temps, il faut se dire aussi cette chose extraordinaire, c'est que ces universités étaient déjà mondiales. Tu sais que quand Jeanne d'Arc a été brûlée, on l'a su en Allemagne dans les 3 jours, dans les universités. Voilà. C'est-à-dire que les universités communiquaient entre elles, s'échangeaient, on parlait plusieurs langues, comme tu le sais. Il y avait aussi un latin, donc tu sais que c'était la langue savante universelle, mais les gens voyageaient aussi. Et s'échangeaient. Mais c'était réservé, c'était un monde réservé. C'était pas le pauvre laboureur, évidemment. Alors, ça a duré très longtemps, puisque si tu prends, par exemple, Stendhal et Le Rouge et le Noir, tu vois comment Julien Sorel ne peut avoir accès à la culture, puisque c'est un homme du peuple, qu'en passant par l'Église. Donc d'un côté, voilà, il la rend élitiste, d'un côté il la sauvegarde, et de l'autre côté il la combat. Mais si tu parles de la religion, encore une fois, c'est ça? Oui, par rapport au savoir. Comme je te le dis, ce sont des questions sociales, c'est-à-dire que le savoir, ainsi que l'art, etc., était réservé aux aristocrates, enfin aux cours. Léonard de Vinci était payé et il pouvait vivre et il faisait ses découvertes que par des ecclésiastiques et des princes. Et là-dessus, on sait aussi que dans l'Église, les cardinaux étaient souvent, c'était pas des hommes de foi, hein, c'était des dynasties, c'était souvent les enfants bâtards de tel pape, etc. Bon. Absolument. Mais en ce qui concerne cette question, il y a une incompatibilité qui se maintiendra tant que les religions se maintiendront telles qu'elles sont.
la démocratisation du savoir vient aussi du fait qu'on a séparé l'Église de l'État, par exemple. Ah, bien sûr, mais ça, c'est essentiel. C'est pas tellement la démocratisation du savoir, c'est que la séparation de l'Église et de l'État a aussi rendu à la nation le droit à la diversité. Il faut quand même se dire que tant que la France a été catholique, parce que c'était une religion, bien sûr, toutes les autres religions étaient à ce moment-là en déshérence, étaient minoritaires et dépouillées de la plénitude de leurs droits et de leurs biens. Donc la séparation de l'Église et de l'État est essentielle, c'est-à-dire donc, ce que nous appelons en France la laïcité, pour que toute personne, qu'elle soit athée ou qu'elle adhère à telle ou telle ou telle religion, ait des droits égaux. Ça, c'est... Donc la religion, si on la laisse gérer le temporel, par défaut, elle devient théocratique. Mais oui. Enfin, en tout cas, ça, c'est évidemment l'héritage le plus ancien. Alors maintenant, on a chaque fois des modèles un petit peu différents. Bon, il faudrait maintenant parler de ce qui se passe aux États-Unis, où on sait que le pays entier est religieux. Il est exceptionnel que tu trouves des gens qui sont agnostiques. Bon, et ils se débrouillent avec ça. Mais alors, on a des présidents éclairés, mais qui affirment être croyants. Et on jure sur la Bible, quand même. Hein. Le président jure sur la Bible qu'il sera. Ça ne change rien du tout. Hein. Bon. Mais enfin, n'empêche que Dieu est partout. Voilà. Maintenant, la justice. Partout. Ce qui propage certainement une quantité astronomique de parjures,